Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au motocross de Guyville. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl. Bon les gars, là je vais aller m'habiller. On va descendre la moto, tout ça, et ensuite je vais aller rider. Hein. Donc bah voilà, bonne vidéo. Bon, j'ai fini de m'équiper, donc maintenant on va aller rouler sur le terrain. Il est vraiment super bien, il a été RC arrosé, préparé par Loïc Mallet, tout ça. Mais le truc c'est qu'il n'y aura pas de plan, de l'extérieur, mais bon c'est pas super grave, il y aura quand même des plans GoPro. Là je vais faire un tour de reconnaissance sur le circuit parce que j'ai pas encore roulé dessus. Je vais pas vous filmer, mais ensuite je vais tout vous filmer avec la GoPro Hero 7 Black. Donc ça va être le test parce que ça va être la première fois que je vais rouler avec. Donc on va voir la qualité, normalement ça devrait vraiment être super cool. Le terrain il est juste derrière, il est juste ici. Il est super bien préparé, donc je vais aller rouler tout de suite, faire mon tour de reconnaissance. Je vais pas vous filmer ça, mais ensuite tout va être filmé à la GoPro et je vous laisse sur la suite de la vidéo. Yeah.
midi, il y a le terrain qui nous a vraiment allumé toute la matinée. C'est vraiment super bien. Bon, il y a des mecs qui roulent, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais le terrain il est super bien. Il a roulé ce matin. Ça, le terrain il est super bien préparé, RC arrosé. Ben, là, il faudrait qu'il arrose un peu parce qu'il est un peu sec. Défoncé à des endroits, mais sinon, voilà. Une crosse de Guilvin, un truc de malade, préparé par Loïc Marais. Mais... Bon, les gars, là on est sur la piste de SX. Préparée par Loïc Marais, elle est vraiment super bien, toute lisse, toute neuve, mais elle est fermée parce qu'il faut qu'il pleuve, elle est trop sèche, elle n'est pas assez tassée encore, elle est vraiment ouf la piste, il y a plusieurs enchaînements, des gros doubles, comme celui-là qui est juste devant, et des whoops au fond là-bas, franchement c'est juste un truc de malade, et sur le terrain là, faut... Je vais essayer de mettre un peu plus de gaz cet après-midi parce que ce matin j'ai bien roulé mais bon ça manque encore un peu. Et si cet après-midi j'arrive à mettre plus de gaz franchement ça serait pas mal. Je trouve que j'ai bien roulé déjà quand même ce matin. Ah mince, il y a un crash là-bas. Merde, il y a un crash d'un pote en plus. Bon les gars, là la moto elle est prête. J'ai fini de manger, je vais me reposer un peu. Et ensuite je vais retourner aller rider sur le terrain. Il est un petit peu, je pense que là il va être bien défoncé. Il devrait leur faire aller arroser, mais bon, c'est déjà pas mal. Là, je vais me reposer, j'ai fini de manger. La moto, on a fait le plein, tout ça. Donc, tout à l'heure, je vais retourner rouler sur le terrain qui est vraiment super top. Cette vidéo là, je suis de retour de Guilleville. C'était une super journée pour moi parce que je trouve que j'ai vraiment bien roulé, que j'ai pas mal progressé, tout ça. Donc bah voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à lâcher le petit commentaire qui fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour des très très grosses vidéos, du très très lourd avec beaucoup plus de montage que ce que je fais dans presque toutes mes vidéos, les training vlogs, tout ça. Donc on se retrouve très très vite et allez, bye.